La direction du PSG voulait absolument que Kylian Mbappé soit capitaine. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va essayer de parler de Kylian. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici on parle de foot. Ici on est passionné par le foot. Donc si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors les amis, le PSG a organisé le vote le capitana deux fois et à chaque fois c'est Marquinhos qui l'a remporté. Lorsque on organise un vote pour la première fois, il y a un vainqueur. Ensuite on réorganise le vote. Ça signifie que on ne voulait pas que le premier vainqueur soit capitaine ou alors remporte les élections, et ce fut le cas du PSG. On organise une première élection, Marquinhos remporte. La direction estime que non, on ne veut pas que Marquinhos soit capitaine. On réorganise un deuxième vote, c'est toujours Marquinhos. C'est là où vraiment tu comprends que le vestiaire du PSG n'aime pas Kylian. La plupart n'aiment pas Kylian, les amis. La direction voulait absolument, il voulait absolument que Kylian soit capitaine. Je ne sais pas pourquoi. Allez leur demander, mais ça devrait être une très mauvaise idée si Kylian était capitaine, surtout que il n'est plus trop concerné par le projet du PSG. Il va partir très bientôt, soit cet été, soit l'été prochain. Pourquoi remettre le brassard à une personne qui n'est plus dans le projet? Donc, je ne comprends pas trop l'idée de la direction du PSG. Après, partagez-moi votre ressenti en commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. On se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.